Les Français atteignent les premiers le site de Fashoda. Depuis 1896, la mission française du capitaine Marchand fait route à marche forcée vers le Soudan afin de devancer les Britanniques dans leur progression vers le Haut Nil. Lorsque le général anglais Kitchener rejoint à son tour la ville occupée par Marchand, c'est le début de la crise. L'Angleterre adresse un ultimatum à la France, l'assommant de se retirer. Paris refuse, en conditionnant son départ à l'obtention d'un débouché sur le Nil. Fashoda sera, au final, un échec cuisant et humiliant pour la France, qui finira par céder à la pression diplomatique et militaire des Anglais le 3 novembre, ordonnant le retrait des troupes. Celui-ci sera effectif le 11 décembre.